Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui parle du carnaval. Rappelez-vous, nous avions expliqué qu'il s'agissait d'une fête où les gens se déguisent pour célébrer la fin de l'hiver et la venue du printemps. Ouvrez bien vos oreilles et vos yeux, car il faudra bien se souvenir de l'histoire pour pouvoir faire ensuite des petits jeux que je vais vous proposer. Attention, vous êtes prêts? C'est parti mon kiki! Le livre surprise des déguisements. Nous sommes tous invités à une fête où il faut venir déguiser. Mais qui est qui ou quoi? C'est à toi de le deviner. J'ai peut-être l'air d'un fruit, mais je ne suis pas une banane. En fait, je suis un manchot dans son costume jaune tout beau. Tu crois que je suis un pirate avec mon crochet, mon sabre et mon chapeau? Tu as encore tout faux. Regarde-moi, je suis un petit chat. J'ai toute une princesse. Le sourire, les boucles d'or, mais soulève mon masque, tu verras qui je suis. Oh, un crocodile. Et ce dinosaure alors? Ce n'en est pas un. Sais-tu? Ce sont trois bébés éléphants en rang sagement. Ma baguette et mes ailes, les aimes-tu? J'ai tout d'une fée, mais sous ma robe enchantée, c'est Monsieur Loup aux pattes velues. Tu me prends pour un tigre qui fait peur à cause de ma queue rayée et de mes griffes. Grave erreur! Je suis un agneau bien doux, sans queue rayée ni griffes du tout. L'astronaute est un gorille et le dragon une girafe. Nos costumes sont tous géniaux, s'écrient en chœur les animaux. Oui, tout sauf celui du monstre. Il est nul, il n'aura pas le grand prix. Eh bien, je vous remercie, rugit le monstre vexé. Mais moi, je ne suis pas déguisée. Au revoir les enfants. Souvenez-vous bien de l'histoire. Les petits jeux seront pour bientôt. Au revoir.